Donc maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet, donc avec Quentin Botsou qui est notre expert et qui va répondre aux questions de Véronique Quisquet-Cordogliani. Et moi, je vous retrouve à la fin. Alors, bonjour à tous. Quentin, depuis le début de l'année 2021, on assiste à un nombre d'introductions en bourse qui est reparti significativement à la hausse. Ainsi, sur Euronext Paris, en 2021, il y a déjà eu 23 introductions en bourse, contre seulement 8 en 2020 et 8 en 2019. Donc, pourquoi une entreprise décide-t-elle de s'introduire en bourse? Comprenons le système d'abord. Alors, bonjour à tous. Pourquoi une entreprise s'introduit-elle en bourse? Il faut savoir que l'introduction en bourse répond à plusieurs besoins qu'on a tâché d'identifier sur cette page. Alors, le besoin le plus évident, c'est la levée de fonds. La levée de fonds, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet le développement de l'activité par le financement de besoins opérationnels. Elle permet de financer des investissements qui peuvent être soit de la croissance externe ou des acquisitions d'actifs. Et elle permet également, la levée de fonds permet également de diversifier les sources de financement d'une entreprise. Donc, c'est un moyen pour elle de recapitaliser, de refinancer un endettement existant, de présenter un bilan plus sain. L'introduction en bourse permet également d'assurer une liquidité des titres détenus par les actionnaires. Donc, pour une entreprise qui n'est pas cotée, s'introduire en bourse, c'est un moyen d'accéder à la liquidité pour ses actionnaires, de pouvoir réaliser une partie de leur investissement. Même s'il faut savoir que l'introduction en bourse est souvent assortie d'un engagement de conservation des titres pour les actionnaires historiques qui peuvent être d'une certaine durée. Un autre objectif un peu plus particulier de l'introduction en bourse est celui de la scission. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'introduction en bourse, l'objectif de scission? Prenez par exemple quand un groupe déjà coté considère que l'une de ses filiales ou un ensemble d'activités est sous-valorisé au sein de ce groupe, c'est-à-dire que le cours de bourse ne reflète pas sa pleine valeur. Alors, dans ce cas-là, le groupe peut chercher à introduire en bourse cette filiale ou cette activité afin que les nouvelles informations données au marché sur cette filiale se traduisent en une meilleure valorisation et une liquidité directe sur cette activité. Enfin, et un objectif évident, l'introduction en bourse permet d'augmenter la notoriété de l'entreprise. Et le plus souvent, comme vous pouvez vous en douter, les introductions en bourse répondent à plusieurs de ces objectifs, notamment levée de fonds, liquidité et notoriété. Alors concrètement, une fois qu'une société a décidé de s'introduire en bourse, comment ça se passe? Elle a décidé de se lancer, elle commence par quoi? Comment ça se passe physiquement, en pratique? Alors, en pratique, une introduction en bourse est un processus long qui va solliciter une forte implication du management et des nombreux conseils de la société. Ça peut prendre, c'est environ 5 à 6 mois de préparation avant de pouvoir lancer l'opération. Ces 5 à 6 mois vont servir à l'élaboration de la documentation juridique et de la documentation marketing. Elle va également servir, toute cette préparation, à aller chercher les investisseurs et construire le carnet d'ordre. Donc, toute cette phase de préparation se conclut par l'approbation par l'AMF du prospectus. Alors attention, on reviendra sur ce sujet un peu plus tard, mais il faut sachez dès à présent que l'approbation par l'AMF du prospectus n'est pas une recommandation à investir. Ça signifie juste que le prospectus est conforme aux exigences réglementaires sur lesquelles on va revenir un peu plus tard. Une introduction en bourse, c'est une offre de titres qui est ouverte. Elle est ouverte aux particuliers au travers d'un processus d'offres à prix ouvert. Et elle est ouverte également aux professionnels, soit en France, soit s'il y a de la demande à l'étranger, au travers d'un processus de placement global. Il faut également savoir qu'au moment du lancement de l'opération d'introduction en bourse, il y a un certain nombre d'inconnus qui sont des inconnus assez significatives. Ces inconnus sont notamment le prix définitif de souscription d'une action de la société qui s'introduit en bourse, le nombre exact de titres émis ou cédés, et le taux de service, c'est-à-dire à quel point est-ce qu'en fonction des ordres que vous allez pouvoir passer, que tous les investisseurs vont passer, à quel point est-ce qu'ils vont être servis, est-ce qu'ils vont avoir 100% de leurs demandes ou un peu moins. Il y a également, on va revenir donc on va revenir dans le reste de sa présentation sur ces trois inconnus pour les décliner un petit peu et vous les expliquer.
Et il y a également, comme inconnu, le caractère nouveau de l'acteur sur les marchés boursiers, son absence d'historique de cours, d'historique de communication et éventuellement la difficulté à identifier des comparables si la société intervient sur un nouveau marché sur lequel il y a peu d'acteurs cotés. Donc, premier inconnu qu'on évoquait, c'est le prix. Le prix, pour les investisseurs individuels, le prix n'est pas connu d'avance. Donc, c'est le principe de l'offre à prix ouvert qu'on venait d'évoquer. Donc, dans un prospectus, un prix de base est communiqué avec une fourchette de plus ou moins 15%. Cette fourchette est communiquée au plus tard 3 jours avant la clôture de l'offre, mais en pratique, elle est indiquée dès le lancement de l'opération dans le document qui s'appelle la note d'opération et qui est une composante du prospectus. Donc, cette fourchette de prix, elle est déterminée par la société et ses conseils et elle tient compte de plusieurs facteurs. Alors, dans tous ces facteurs, il y a notamment une valorisation qui est faite par la société et ses conseils, cette valorisation qui est confrontée aux évaluations des analystes qui interviennent dans le suivi du titre qui va être coté en bourse. Et elle tient également compte, cette fourchette de prix, de l'appétit du marché pour l'opération, en fonction duquel la fourchette de prix pourra éventuellement, selon l'appétit du marché, la fourchette pourra éventuellement intégrer une décote pour rendre la souscription plus attractive. Mais sachez qu'il n'y a aucune transparence dans le prospectus sur la détermination du prix pour les investisseurs. Aucune exigence réglementaire de ce point de vue-là. Donc, tous les éléments de détermination du prix ne seront pas fournis dans le prospectus. Donc, ça, c'est comment est déterminée la fourchette de prix. Ensuite, le prix définitif, lui, il est déterminé par la société en fonction des ordres des investisseurs institutionnels. Donc, les investisseurs institutionnels, eux non plus, ne connaissent pas le prix définitif, mais ce sont leurs ordres de souscription et les choix d'attribution de la société qui vont déterminer le prix définitif qui sera appliqué à tous les investisseurs, qu'ils soient institutionnels ou particuliers. Donc, en tant que particulier, vous souscrivez un nombre de titres sans connaître le prix définitif de l'opération. Et un message important qu'on voulait vous faire passer, c'est que quand vous souscrivez à une introduction en bourse, il faut que vous teniez compte de la fourchette haute pour connaître le montant maximum sur lequel vous pouvez être engagé. Il faut également garder en tête que post-introduction en bourse, le cours de l'action est également susceptible d'évoluer à la hausse ou à la baisse en fonction en particulier de l'actualité du marché ou de l'actualité que pourra donner la société. Alors, autre inconnu qu'on évoquait, c'est le nombre de titres émis ou cédés à la fin de l'opération. Alors, ce nombre de titres, il va dépendre de plusieurs facteurs. Il va dépendre du prix définitif de l'opération. Alors, c'est un mécanisme un peu itératif parce qu'on avait vu juste avant que le prix définitif dépendait du nombre de titres demandés. Donc, il traduit la réalité du carnet d'ordre et de la sélection effectuée par la société de ses investisseurs. Et le nombre de titres émis, lui, dépend du prix définitif. Voilà. Le nombre de titres émis dépend de la demande de titres. Donc, il existe un mécanisme pour permettre d'ajuster le nombre de titres en cas de forte demande. C'est la clause d'extension qui va permettre d'augmenter le nombre de titres émis de 15%. S'il y a une forte demande, c'est un mécanisme optionnel que peut utiliser la société. En cas de moindre demande, par contre, si la société n'arrive pas à remplir tout son carnet d'ordre sur une base à 100%, le montant global de l'opération peut être réduit. Et il faut savoir qu'en dessous de 75% des montants levés, l'opération est abandonnée. Donc, le nombre de titres émis va également dépendre de l'option de surallocation. L'option de surallocation, c'est un mécanisme qui est utilisé pour la stabilisation du cours après la période de souscription. C'est un mécanisme optionnel que la société peut confier à un établissement financier pour stabiliser son cours après l'introduction en bourse de la société. Et ça, donc, ces mécanismes, clause d'extension et option de surallocation, il faut savoir que ce sont des mécanismes facultatifs, donc que vous ne retrouvez pas nécessairement dans toutes les introductions en bourse. Ce sont des mécanismes qui peuvent être cumulés, donc la société peut utiliser à la fois une clause d'extension et une option de surallocation
qui peut monter le nombre de titres émis à, par exemple, plus 30%. Voilà. Et ces mécanismes peuvent bien sûr avoir un impact sur la dilution totale des actionnaires qui seront donnés dans le prospectus. Alors, dernière inconnue des introductions en bourse qu'on voulait évoquer avec vous, c'est le service des investisseurs. Alors, on va voir à la fois pour les particuliers, pour les professionnels. Donc, il existe un traitement différent entre l'offre à prix ouvert, qui est le mécanisme de souscription des particuliers, et le placement global, qui est pour les professionnels. L'offre à prix ouvert, donc, c'est une poche de titres qui est réservée aux particuliers. En fait, 10% dans la mesure où il y a une demande suffisante des particuliers, 10% au moins du nombre d'actions émises vont être réservés à l'offre à prix ouvert, donc aux particuliers. En cas de plus faible demande, par contre, la société n'est pas tenue d'allouer 10% à l'offre à prix ouvert dans la mesure où il n'y a pas suffisamment de demande. Et en pratique, il faut savoir qu'en fait, la part du public est extrêmement variable. Mais c'est surtout le placement global et des professionnels qui vont constituer l'essentiel de l'introduction en bourse et de la levée de fonds. Donc, cette offre à prix ouvert, les particuliers vont y souscrire. Donc, à prix ouvert, les ordres que vous serez susceptible d'exprimer sont exprimés en nombre d'actions, sans indication de prix. Donc, c'est ce qu'on expliquait au début. Il faut bien regarder la fourchette haute du prix pour savoir le montant maximum sur lequel vous êtes susceptible vous engager. Alors, pour entrer un petit peu plus dans la technique, il y a deux types d'ordres qui peuvent être passés par les investisseurs individuels, les ordres, ce qu'on appelle A1, et les ordres A2. Concrètement, la société va établir un seuil d'action au-delà duquel les ordres seront des ordres A2. Donc, par exemple, la société va dire qu'au-delà de 200 actions souscrites, les 200 premières seront des ordres A1, toute action souscrite au-dessus de 200 actions seront des ordres A2. La fraction d'ordre A1 sera prioritaire par rapport à la fraction d'ordre A2, qui est susceptible d'être réduite jusqu'à 100% pour servir en priorité la fraction A1. Dans l'hypothèse même où le nombre d'actions offertes serait insuffisante pour couvrir toutes ces demandes, il faut savoir que même la demande au titre des ordres A1 pourra être réduite, mais de manière proportionnelle à tous les investisseurs et à toutes leurs demandes. Donc, il va s'en suivre une attribution mécanique des titres en fonction de la demande. S'il y a une très forte demande, donc les ordres A2 ont peu de chances d'être servis, et il est même possible que les ordres A1 ne soient pas servis, et dans ce cas-là, qu'ils soient diminués de manière proportionnelle pour tous les investisseurs. Et les ordres, il faut également savoir que les ordres passés par Internet sont révocables jusqu'à la clôture de l'offre. Ensuite, sur le service des investisseurs, cette fois-ci, les investisseurs institutionnels, eux souscrivent au travers de la procédure de placement global, qui est en fait un livre d'ordre que va construire au fur et à mesure la société avec ses investisseurs institutionnels. Donc, il existe différents types d'ordres possibles pour les professionnels. Eux ne souscrivent pas uniquement sur un nombre de titres, mais ils peuvent donner leurs ordres soit en nombre de titres, soit en montant demandé, c'est-à-dire je voudrais souscrire à hauteur de X millions d'euros dans la levée de fonds. Et les ordres qui peuvent passer peuvent comprendre ou non des conditions relatives au prix, c'est-à-dire que les ordres passés peuvent être soit à prix fixe, soit à tout prix. C'est-à-dire, je souscris tant d'actions à tout prix, je souscris X millions d'euros à tout prix. Voilà. Ensuite, une fois que ce carnet d'ordre va être constitué, la société va choisir ses actionnaires en fonction du profil qui les intéresse et de la qualité de leurs ordres par rapport à ce que la société espère lever. Pour eux aussi, les ordres sont révocables jusqu'à la fin de l'offre.